Yo les gens, c'est Neroz. Aujourd'hui, on se retrouve sur Unit 13, comme vous pouvez le voir ici. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo en solo. Donc, on va faire la première mission. Au passage, je lance une petite, je fais une petite dédicace à Genesis qui a le jeu. Et donc, ce n'est pas le jeu complet, c'est la démo. Personnellement, c'est un jeu que je pense qui franchement vaut le coup. Mais j'étais déçu pour une chose, c'est que dès la deuxième ou troisième mission, ça a été chronométré. Et j'ai vraiment horreur de tout ce qui est chrono, des missions avec des chronos et tout. Voilà. Il faut se dépêcher pour faire les trucs, on peut pas prendre son temps et tout. Donc ça m'a pas plu, puis il y avait vraiment des missions pas très bien. Mais sinon, dans le fond, si vous aimez bien les jeux à la troisième personne, car c'en est un. Ça peut être un bon jeu de shoot, oui. Donc, c'est mon avis personnel. Tout le monde ne pense pas la même chose. Donc, au passage, on peut faire. Ouais, donc déjà, on va mettre en visée comme ça. Donc, j'ai déjà fait l'entraînement pour ceux qui connaissent. Et j'ai, comme je vous ai dit, de toute façon, j'ai déjà fait le jeu. J'ai pris le gars là parce que il est un peu plus beaucoup silencieux. Donc, beaucoup de personnes le prennent pour ça. Comment on fait pour changer d'arme triangle, c'est vrai. Ok, je me suis fait repérer, mais c'est pas grave. J'avais pas pensé qu'il avait si peu de vie, lui. Voilà, donc. J'ai pas lu les objectifs de mission, donc je peux pas vraiment vous les citer. Le Google, là, il me cherche, mais il va me trouver, à mon avis. Il m'a vu. Ah, hop. Un moins. Non, c'est comment pour recharger flèche du bas. Oh, AK-47. The best. Oh, j'adore ce viseur. Motherfucker. Mais pour l'intérêt de la mission, je vais reprendre mon MP5. Je vais monter un peu le son histoire que vous entendiez. Et je vais peut-être s'il y a les sous-titres. Commande avec un peu de. Non, audio. Dang. Bah oui. Ah non, je suis en mode parleur, je suis pas en mode casque. Oh la vache, j'avais modifié ce paramètre il y a fait longtemps et pourtant. Voilà, on monte. On fait un gaffe là parce qu'il y a des gars en bas que je ne vois pas, évidemment. Et comment tu veux que je passe, connard? Bon bah voilà, on va essayer de se pas se faire choper. J'ai bien dit essayer de pas se faire choper. Bon, hop, on la refait. C'est la même, de toute façon. On va remettre le viseur à cog. Holo, pardon. N'ouvre pas ta bouche. Baisse le son, sacre bleu! Aïe! Pas très fort ce jeu. C'est vrai que j'ai pas vraiment une bonne prise en main non plus. Voilà. Mais franchement, le jeu aurait du multi et de préférence sans passe, comme ça on peut acheter un jeu d'occasion. Non, on va peut-être pas passer par là en fait. Franchement, j'aurais sûrement gardé. Oula, il fait bien sombre alors que sur mon écran, pas du tout. Non, non, franchement, c'est un très. On peut faire de la coop, donc c'est. C'est des missions du solo. Je pense que c'est une fonction intéressante parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la coop dans les jeux. C'est. Je vais dire amical, c'est agréable à jouer avec ses potes au lieu d'être toujours contre. Et quand on fait de l'histoire, donc je pense un peu à Ratchet Gladiator parce que sur Ratchet Gladiator c'est bien seul, mais à deux, franchement, c'est limite épique. On va y aller. Ouais, génial, plus des mines. Donc c'était censé être une mission longue, j'espère que ma carte mémoire va pas dire le contraire. Enfin, va dire le contraire. Ou je sais pas. Bon allez, dépêche. Faut pas que je perde de temps non plus. Motherfucker. Putain.
Putain, je trompe de chemin. Ah ouais, c'est juste là. Ouais, bah, point de contrôle, je sais que. J'adore le recul. Ça, au moins, c'est un vrai recul quasiment. Oui, quasiment. Oui, parce que je pense à Call of que y a pas d'arme qu'on recule sauf fusil. Et pff, on va dire la PP. Enfin, elle a pas de recul, elle tremble juste. C'est ce con-là qui les a alertés. Ok. Ok, faut pas déconner. Allez. T'es où? Bah, c'est bien que tu saches que je suis là. Bon, les gens, je crois que je vais me pendre. Et je me fais niquer comme une grosse merde. Au moins, je reste pas. Allez, on y va. Mais sinon, graphiquement, le jeu est très bien réalisé pour un jeu de Vita. Ça, c'est un vrai jeu. De belles couleurs. Un jeu graphiquement, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, bien réalisé. Que ce soit les effets dans les des vitres. Ah, mais dégage toi! Putain, j'étais en train de viser, de tirer depuis tout à l'heure là! Ça marche pas! Tais-toi! Non! Faut toujours déjà te couper le son, parce que je peux t'entendre. Pas de dialogue. Dégage! Des singes, t'as dit. Allez, un. J'espère que j'entends pas ce voix d'autres connasses de merde. Ah putain, je l'entends quand même, hein. Vous l'entendez pas, vous, et heureusement. Merde, il y avait. Putain, j'en ai marre! Mais tais-toi! C'est pas que je me suis défoncé la main, mais j'aurais presque pu. Oh, ça chauffe d'ailleurs. Tiens, fils de pute. T'attends gros. Tiens. Pris en embuscade, t'es beau connard. Elle est où ton embuscade? Tiens. Dédicace à ta mère. Tiens. Oh putain, mais arrête de te mettre une musique semi-rock des années 80. Putain, j'ai plus de balles.